Salut, voilà, c'est toujours moi Nizam Hospital. Donc vous avez vu l'écran, c'est toujours Nizam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Alors donc, comme vous le voyez, voilà, j'ai un peu la fatigue et puis voilà, j'étais un peu souffrant. Donc pour ceux que j'ai pas encore répondu au message, soyez patients, je vais vous répondre, voilà. J'essaie de faire un peu. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, voilà, comme je reçois des informations concernant des bourses. Je voulais forcément vous les distribuer pour que vous soyez prêts, pour que vous puissiez postuler. Donc aujourd'hui, je suis là pour une bourse de France, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que d'abord, donnez-moi une pouce bleue avant qu'on ne commence. Voilà, maintenant, si vous avez déjà appuyé sur une pouce bleue et que vous êtes nouveau, essayez de vous abonner à la chaîne parce que ici, je donne des informations sur des bourses, voilà, et des conseils, quelques conseils pour pouvoir les postuler. Voilà. Et aussi, nous avons un groupe WhatsApp. Si vous voulez intégrer, voici le numéro qui est là, vous pouvez intégrer facilement. Voilà, donc on y va pour la suite. Voilà, donc comme je disais, aujourd'hui je suis là pour une petite bourse de France. Voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que cette bourse concerne seulement que les masters. Voilà, ça concerne les masters. Il y a deux structures en France qui sont réunies, voilà, et qui vont essayer d'apporter un peu de soutien aux étudiants qui vont pouvoir postuler à cette bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? La question, c'est pourquoi et comment on peut avoir ces bourses. Voilà, donc je vous explique un peu plus simplement. Vous savez-vous que les universités, voilà, sont dirigées par Campus France. Voilà, donc Campus France est une structure qui a été mise en place pour pouvoir gérer au mieux et mieux organiser les étudiants, les universités en France et aussi les étudiants. Voilà, mais il n'y a pas, c'est pas toutes les universités qui sont déjà dirigées par Campus France en ce qui concerne l'admission. Voilà, il y a des universités où vous pouvez postuler directement pour pouvoir avoir les admissions, mais seulement que les étudiants préfèrent passer par l'élément Campus France parce que là-bas c'est plus sûr et c'est plus évolué. Voilà, donc en cet instant, je voulais vous présenter une bourse, voilà, qui ne dépend pas de Campus France. Voilà, donc si vraiment vous voulez postuler, c'est le bon moment. Et puis, donc cette bourse, c'est la bourse pour l'université de Le Mans. Voilà, donc Le Mans, vous vérifiez sur internet, vous allez voir, c'est une université en France. Voilà, donc il y a des structures qui sont organisées pour pouvoir donner des bourses aux étudiants qui aimeraient postuler. Donc pour pouvoir postuler, c'est très simple et plus très classique. Voilà, il n'y a pas assez de choses à faire. Seulement, d'abord, les étudiants qui sont concernés, une fois que tu es concerné, tu écris un mail pour dire à cette institution que voilà, je suis concerné et j'aimerais postuler, je suis intéressé et j'aimerais postuler à cette bourse. Voilà, donc quand tu écris à cette institution, ils vont vous répondre en vous donnant des codes, un code, voilà, et l'interface pour qu'ils puissent communiquer rapidement, directement avec vous. Vous comprenez? Quand il dit directement, ça ne veut pas dire face to face, mais directement, ça veut dire de façon boîte postale. Voilà, ils vont vous donner l'interface, ils vont vous donner votre compte, ils vont vous donner des codes où vous allez commencer à postuler. Donc, pour avoir l'email, je mets l'email en description ou bien en commentaire, comme ça, vous les écrivez directement. Donc, lorsque vous allez écrire à cette institution, ils vont vous répondre et qu'ils vont vous donner tous les éléments. Voilà, vous allez maintenant faire un premier test. Ils vont faire un premier test. Si vous passez au premier test, au second test et au troisième test, lorsque vous allez finir de faire ces trois tests, ils vont vous dire directement si vous êtes accepté pour la bourse ou pas. Donc vous voyez, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas de site, il n'y a pas d'éléments d'échappatoire, il n'y a pas d'éléments où vous devez choisir des éléments. Non, ça, il n'y a pas ça. Lorsque vous allez faire la première étape, ils vont vous dire, tout ce qu'ils vous diront là-bas, vous essayez de les faire au second aussi et au troisième. Voilà. Donc, si vous passez les étapes, et voilà, c'est tout. Donc, vous allez passer un peu plus simplement. Si vous avez cette bourse, maintenant, ils vont vous donner les conditions et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir avoir votre visa et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir aller y étudier. Voilà. Donc, c'était moi, Nizam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Pour avoir le mail, regardez en description, le mail est là. Maintenant, pour ceux qui veulent des coachings, voilà, vous pouvez me faire signe. Vous allez intégrer la chaîne. Vous allez intégrer notre compte WhatsApp.
voilà, ou bien le lien, je vais vous envoyer le lien WhatsApp pour que vous puissiez intégrer. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, donc n'oubliez pas, regardez en description ou bien en commentaire, le mail de l'université sera là-bas. Donc vous allez pouvoir les écrire directement pour avoir plus d'informations. Voilà, donc c'était un peu ça. Et à plus.